J'avais l'impression qu'il nous manquait un peu de fraîcheur et que l'adversaire était dans les trois secteurs aujourd'hui un peu plus fort que nous autres. Qu'est-ce que tu veux? Je crois que mon équipe commence à être un peu fatiguée et commence à payer un peu le sprint qu'ils font depuis le mois d'octobre. Maintenant, il va devoir parler avec le doc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les avoir de nouveau dans la tête? C'est mon boulot, mais physiquement, c'est un peu le boulot aussi du staff médical de les avoir à 100% de nouveau pour la semaine prochaine, parce que c'est une bataille importante qu'on a perdue, mais tout n'est pas perdu. Maintenant, il va falloir se redresser. Ils étaient un peu plus frais que nous, je pense. Leur rythme était un peu plus élevé. Nous, on était un peu en dedans ce soir, mais bon, il reste 4 matchs et ce qui compte, c'est à la fin. On a fait des gros matchs dernièrement avec une débauche d'énergie assez élevée, donc c'est peut-être le contre-coup du match de Lyon et de Metz, parce qu'à Metz, on a peut-être pas fourni un bon match en termes de qualité de jeu, mais on a laissé beaucoup, beaucoup d'énergie et de force pour revenir au score et l'emporter. C'est peut-être ce qui nous a fait défaut ce soir. D'abord, on apprenait les matchs les uns après les autres. C'était un match qui était très performant. Contre l'Annecy, on avait fait également un très bon match. On avait les deux équipes à égalité. Et voilà, on va voir ce qu'on est capable de faire contre Toulouse. Pascal, je le répète, c'est une jeune équipe. Donc, là, c'est un petit peu le favori. Tout le monde est content et c'est normal après une victoire. Maintenant, il faut être capable très vite de redescendre sur terre et être capable d'enchaîner. Et comme on a une jeune équipe, on est capable d'être dans cette direction-là. Moi, je pense qu'il y a encore pas mal de points à prendre. Il y a encore des points à prendre, notamment. On reçoit, on a la chance de recevoir et après on ira à Saint-Etienne. Mais je pense qu'il y a encore, il y a Rennes, il y a pas mal d'équipes qui sont prétendant à cette cinquième place. Le plus important, c'est de prendre les matchs les uns après les autres, parce que je pense qu'il y a moyen de prendre cette cinquième place, mais il n'y a pas que nous, il y a du monde.